qui font souvent les vidéos. Mmh. On peut faire une choré. TikTok, TikTok. Moi, je veux mes lunettes. Là, c'est ton problème, là, si t'as perdu tes lunettes. On y va. Yo yo yo. Ça va man? Ça va et toi? Alors je vous présente Pascal. Si vous voulez louer des voitures à Port-Gentil, si vous avez besoin de voitures à louer quand vous venez sur Port-Gentil, c'est le contact qu'il faut. Ouh les gars! C'est la photo? Non, c'est une vidéo. Nous sommes à la boulangerie Sam Daron, le meilleur endroit où on fait les meilleurs croissants de Port-Gentil. Meilleur que Paul! Ouais, c'est vrai, ils sont meilleurs que Paul. On espère que le temps sera meilleur parce que là il devient un peu gris. On dirait qu'on a traîné le temps de Libreville ici. T'as pris les crocs ? Oui. Ils sont trop chauds. Je dirais que c'est un cadre pour vivre en fait, pour vivre, pour venir se reposer. On a beaucoup de plages, l'eau est magnifique, on en verra ce week-end. Là on est sur la route de l'aéroport. Là nous sommes à la cathédrale Saint-Louis. Alors Saint-Louis, c'est l'une des plus vieilles églises de Port-Gentil, sortie Je crois qu'on a utilisé des restes de la tour Eiffel. Hein. En tout cas, c'est sorti des usines Eiffel. On a un peu de Paris aussi dans le Gué maritime ici. Et apparemment cette église c'est la plus ancienne. Oui, elle a plus de 100 ans. Cette église c'est un mélange de fer, un mélange de pierre. Et c'est une bâtisse qu'on devrait classer dans le patrimoine architectural de la France.
Palma au Cap Lopez. Réputé pour son phare. Alors ici on est au pétrolier, ça a souvent l'avantage ici de manger du poisson bien frais. On s'est arrêté, on est venu du côté du Cap Lopez, où se trouve l'océan Atlantique et aussi un magnifique restaurant dans lequel on va manger du poisson frais. Ça s'appelle le Pétrolier. Il est là depuis soit une vingtaine ou une trentaine d'années. J'en ai aucune idée, mais bon, on mettra la vraie date au montage. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut déguster du poisson frais parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs. Il y a un village de pêcheurs derrière qui font de la pêche. On peut voir aussi des dauphins, on peut voir des baleines. Et beaucoup de surfeurs viennent souvent ici pour faire, parce qu'on peut avoir des vagues qui vont jusqu'à 15-20 mètres en fait. Ici le phare. Ouais. Il y a le phare qui a une histoire très ancienne, qui sort des ateliers Lefel. Eiffel. Il est ancien et puis ça reste un patrimoine culturel. Ouais. Pour arriver ici dans ce restaurant, le Pétrolier, ou pour venir au Cap, il y a en moins de 30 minutes de route. Mais une route goudronnée, donc c'est parfait pour rouler, il faut juste faire attention. Goudronnée avec un paysage extraordinaire. Exact. On a la plage d'un côté, on va dire une petite forêt de l'autre. Donc c'est un vrai contraste génial. Avec plein de bungalows aussi, qui sont aménagés avec des barbecues, des bombes, vous pouvez venir en famille, super improviser. Super pour le week-end, passer un week-end idéal, c'est par ici. Ouais. Je vous recommande le Cap Lopez si vous aimez bien tout ce qui est plage et surf surtout, ou encore histoire, pour les passionnés d'histoire aussi. Ouais. Alors on va essayer de s'arrêter au phare, de faire quelques photos et des prises aériennes pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le phare vu de l'intérieur. Respecter notre programme, mais on essaiera de peaufiner demain parce qu'on n'a que le week-end. Parce que lundi c'est le boulot, mais il faut savoir qu'en un week-end c'est possible de faire beaucoup de choses ici à Florence. Là on est au. On est au TIA 911, TIA Fuji. C'est un endroit assez particulier. Moi j'aime beaucoup cet endroit. Ouais, en tout cas c'est très sympa et on peut avoir de la bonne viande, je dirais. Le sanglier, s'il vous plaît, hamburger. Ouais, un burger ensemble. Je pense que c'est quelque chose à essayer, quelque chose à goûter. Normalement, demain, en petit déjeuner, on aura coupé et ripopo. Voilà. Donc, là, on vient de commander, mais madame veut piquer mes frites. C'est cool. C'est une malhonnête. Ah ouais, c'est elle cool. Elle a la possibilité de manger ses frites, mais elle veut manger mes frites. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. J'accepte. Allez, à demain. Bonne soirée. Hello, bonjour à tous. Alors, deuxième journée sur Port-Gentil. Jour 2. Ouais. Et on va du côté de la plage. Donc, on a préparé nos maillots. On va faire un petit tour aussi au stade, ainsi qu'au marché. On verra si on aura le temps. On va faire le maximum possible pour pouvoir visiter le reste et rattraper ce qu'on n'a pas pu rattraper hier. Et les bons coins pour les petits déj locaux aussi. Genre le ripopo.
et il est coupé coupé. Ah, ok. C'est un truc qui font souvent les vidéos. Mmh. On peut faire une courée. TikTok. TikTok. Moi je veux mes lunettes. Là c'est ton problème, là, si t'as perdu tes lunettes. Alors on va faire un tour à un coin mythique où certaines personnes aiment prendre leur petit déjeuner là-bas. C'est le Ripopo. Parce qu'il y en a qui préfèrent des croissants le matin, d'autres des coupés-coupés, mais certains préfèrent le Ripopo. On n'arrête pas de trop manger, surtout moi. Je pense que elle peut tout manger. Et donc on va s'arrêter au Ripopo. J'espère qu'on va retrouver l'endroit. On a des amis qui nous ont indiqué sur Instagram. Après ça, on va au stade. Vous allez voir notre très beau et très neuf stade qui est assez loin, mais qu'on peut visiter. Il y a même un hôtel à l'intérieur. On peut aller sur le toit. On peut faire plein de choses. Donc, on va vous montrer tout ça. Alors, il est où ce Ripopo? Chez Amegas. On va essayer de se renseigner un peu. Et le pire, c'est que Amegas, elle est super populaire ici à Bordeaux. Tout le monde connaît Amegas. Tous les Bordeaux-Antillais connaissent Amegas. On va essayer de se renseigner un peu. Bon, alors, apparemment, elle ne prépare pas les dimanches. Ou alors, on va dire, elle ne prépare pas tous les dimanches. Donc, on nous a recommandé un autre endroit, c'est aux Trois Métis. On va essayer de checker, sinon on va foncer directement au stade. Parce qu'après on doit aller à la playa. Ce stade, il a quelque chose de particulier. Une grande histoire. Très grande histoire. La première pierre de ce stade a été posée par le meilleur joueur au monde. J'ai cité Monsieur Si Ballon d'Or, Monsieur Messi. Eh oui, parce qu'on a une fan de... C'est l'autre déjà là. Mais c'est ça. Et dites-vous que cette pierre... Je ne peux pas ne pas parler de ça. Non, tu peux en parler, vas-y. Cette pierre que le fameux meilleur joueur au monde a posée a été volée. Ouais, elle a été dérobée par... Cette brique. Ouais. La première brique a été volée par des plaisantins. Et puis... Mais si c'était, avouons que si c'était Ronaldo qui avait posé cette pierre, personne n'aurait voulu. Parce que personne ne veut prendre ce que Ronaldo a touché. C'est ça, ouais. Ah, mais j'aime beaucoup Cristiano Ronaldo, je préfère juste Messi. Bref, on a chippé sa brique posée à Portchanty, ouais, pour la construction du stade de Portchanty. Voilà, on vous mettra quelques photos de ce petit moment quand Messi était là. Il y avait des gens qui couraient partout. Messi en Afrique. Et surtout au Gabon, parce que je pense que les pays où il est allé, c'est rare, l'Afrique du Sud quelquefois. Et il était à Port-Gentil. Et Port-Gentil en plus. Messi est passé ici. Là, on roule sur les traces de Messi. Espérant qu'il soit ouvert. Bon, là, il pleut, bizarre. Et il y a du soleil. Il pleut, mais il y a du soleil. Et en Afrique, on dit que quand il pleut et qu'il y a du soleil, c'est qu'un éléphant est en train de mettre bas. On espère que ce petit éléphant bleu qui est en train de venir au monde se portera très bien. Là, on a aussi en Afrique centrale, dans notre forêt, on a la plus grande concentration d'éléphants sauvages ou d'éléphants d'Afrique, un truc comme ça. Je mettrai l'info en bas au cas où je me suis gouré. Mais effectivement, les éléphants au Gabon, c'est leur maison. Comme on vous disait, le stade fait pour la CAN, dont la première brique a été posée par Lionel Messi. Il est magnifique ce stade. En haut, là-bas, vous avez des hôtels. À ce niveau-là,
des hôtels. Vous pouvez donc suivre le match depuis votre chambre d'hôtel. Je pense qu'il y a un truc comme ça à Dubaï. Là, vous avez le côté VIP. Le côté VIP et puis les tribunes, etc. Bon, comme vous voyez, madame fait ses selfies. On doit avancer sur le programme parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on est arrivé au Chizanyama. Chizanyama, c'est un mot sud-africain qui veut dire viande. Voilà. Donc, c'est un endroit fabuleux après le stade de Port-Gentil sur la route de Tchengue, où ils font de très bonnes ribs. Voilà, ils font de très bonnes ribs, made in South Africa, la viande vient d'Afrique du Sud. Donc c'est un concept, pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, c'est un concept à la base de grillade, voilà, de grillade en extérieur. Et c'est très bon. Les ribs, c'est avec du miel et tout, c'est trop bon. Donc on y va! Bon, on a trouvé quelqu'un qui peut nous emmener à la baie des coquillages. Donc là, on va prendre le départ du petit village. Tout le monde, on est finalement arrivé à la baie des coquillages, un endroit magnifique avec un paysage et une vue imprenable sur la mer. L'eau est d'un bleu turquoise, on a des nuances de bleu. Plus on regarde de loin, plus le bleu devient sombre et plus proche, plus il est clair. La baie des coquillages, c'est un endroit vraiment superbe. Je pense que venir ici en ami ou en famille, où on est amoureux, venir se reposer, venir prendre du bon temps, c'est un très beau coin. Ils ont des chambres qui sont très spacieuses, qui peuvent aussi adapter en fonction du nombre auquel vous êtes. Ils ont deux bars, nickel. Un restaurant, un espace restaurant idéal hein, pour se retrouver, pour ressentir le vent, pouvoir... un paysage extraordinaire. Et petite anecdote, pas très loin de la baie des coquillages, on peut apercevoir aussi, bon on les a pas aperçus aujourd'hui, mais on peut apercevoir les baleines qui font des sauts. Des dauphins aussi. Après, comme activité, ce qu'il y aura ici, il y aura du paddle, du kayak, du canoë, du ping-pong, il y a une très belle piscine.
Comme Lorraine le disait, il y a un bar aussi sympa en forme de coquillage, pour référence au nom, la baie des coquillages. Il y a du sable partout. En fait, même les lumières, c'est des, ouais. C'est des coquillages. Le design, il est vraiment cool. Apparemment, ils auraient dû ouvrir depuis. Mais bon, grâce et malheureusement au coronavirus, ça a été un peu retardé. Rassurez-vous, Port-Gentil, ce n'est pas que ça. Malheureusement, nous y avons passé que le jour et on compte y retourner. Mais en attendant, on vous garde en réserve ce bonus de Port-Gentil pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. À bientôt. Ciao!